Comme s'occupe de prendre en ses enfants, c'est sa personnalité, son caractère. Ça. Et lorsqu'il arrive que le retour permet réellement que le caractère commence à s'exprimer. Sauf ceux qui sont destinés à autre chose. Parce que dans ceux qui sont destinés à autre chose, on peut supposer que ce ne sont pas des êtres normaux. Et ça vous dit ? Parce que la personnalité du créateur, c'est l'identité réelle de l'homme. C'est-à-dire que quand l'esprit de l'homme commence à contempler la personne, la grandeur de la personnalité du créateur, il reconnaît que ce sont ses origines. Il y retourne. Et donc, ce qui fait qu'imagine là où tu es, au créateur, au caractère, fonction de son caractère. Il dépose en toi quand ça s'exprime. Mais j'ai dit, les êtres normaux ne peuvent pas résister. Bon, et c'est là toute la puissance du témoignage, de l'espérance liée, l'espérance à laquelle le créateur appelle ses enfants. Bon, maintenant, ce qui garde la puissance de cet héritage aussi caché, mystérieux, c'est lorsque on a des mots dans la bouche, mais c'est un autre qui s'exprime dans notre personnalité. C'est un autre. Ouais, bien. C'est-à-dire c'est l'autre, c'est Satan. Parce qu'il y a une personnalité, lui aussi, ce qu'il dépose dans les humains, c'est sa personne, c'est son caractère, sa personnalité. Donc ce qui fait que quand on a des mots, on dit Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, et que dans notre structure, vécu, oui, notre structure, c'est l'autre qui s'exprime. Ouais, bien, donc en réalité, c'est l'autre qui se sert de nous pour brouiller totalement les voies du Créateur. Donc, c'est que les hommes, c'est lui qui va amener les hommes en face à dire, mais personne ne peut être comme c'est là toute la question. C'est pour ça que les témoins, c'est vraiment des esprits construits. Exactement. Construits, c'est-à-dire dans lesquels... Parce que c'est le Créateur lui-même qui les construit. Hein. Ah, oui. Donc, il les construit, les éléments qu'il utilise pour les construire, c'est sa personne. C'est lui-même. Son c'est ça. Et c'est des matériaux lourds, voilà, éternels. C'est comme ça, pour faire briller sa puissance. Quand il fait briller sa puissance, la puissance de son caractère, qu'il n'y a pas, même pas les esprits ne peuvent résister. Je veux dire, les esprits, même les esprits rebelles, ils reconnaissent clairement qu'ils ont affaire au caractère suprême, à la personnalité suprême du Créateur. Et les esprits des humains destinés à rentrer dans cette identité reconnaissent réellement que ça, c'est notre identité. C'est ça. Donc ça devient le miroir. C'est là où il est dit que la lumière est venue dans le monde. La lumière, c'est le miroir. C'est le repère, c'est-à-dire la lumière, c'est la parole, c'est-à-dire le caractère du Créateur fait chair pour éclairer les hommes. Donc c'est là que on doit, c'est ce qu'il faut rechercher, cette dimension. C'est-à-dire que l'esprit en nous, du caractère du Créateur.
Vertu, qui s'exprime. Incapable. Réellement. Incapable. Voilà. Vous voyez, c'est ça. Bon. Maintenant, quel que soit le beau discours qu'on aura beau tenu, je veux dire un discours apparent, mais qui voit tout le caractère sacré dans les humains, ça n'a pas d'impact. Puis c'est une comme question spirituelle. C'est comme bien ça. Bien sûr, c'est ce que Jean disait. Mm-hmm. C'est le vécu qui est parti. Oui, on parlait tout à l'heure en bas. Nous parlions pendant que tu rentrais dans ton temps. C'est quelque chose que je partageais avec ma relation. Où je lui disais que, en fait, quand nous voyons la manière dont notre corps fonctionne, quand on mange, par exemple, ou tu bois de l'eau, c'est tous les membres qui sont impliqués. Tous les membres le ressentent. Tous les membres. Pourtant, ça passe par un seul membre, la bouche. Mais tout le corps ressent cet effet. Donc, imagine donc que notre maître, notre Seigneur, par qui nous rentrons dans l'identité du Créateur, il est le corps, nous sommes le membre. Eh bien, donc, lorsque nous rencontrons tous dans cette identité, donc ce qui se passe, c'est que en lui, nous formons un corps. C'est-à-dire, tout ce qui se rencontre en lui forme un corps. Oui, bien, ce corps, c'est l'identité dans laquelle il se retrouve. Et ils sont comme des membres. Donc, ce qui fait que, de la même manière que notre corps fonctionne, c'est-à-dire la fraternité vraie, c'est là où on commence à comprendre que nous rentrons dans le caractère du Créateur. Ça veut dire que je me rencontre dans la même identité avec l'autre. Oui, bien, c'est-à-dire, je disais par exemple que quand je mange, c'est un exemple, quand je mange, si vraiment je partage la même identité, je dois me poser la question de savoir est-ce qu'il a mangé. Voilà. C'est ça. Oui, très bien. Donc là, je ne suis pas simplement au niveau des. C'est le matériel. Voilà. Donc, ce qui fait que ce donc le Père rempli dépose en moi, je comprends clairement que ce n'est pas pour moi, c'est au service des autres. Mais ça concerne les biens supérieurs émanant du Créateur et ça concerne aussi les éléments inférieurs. Bon. C'est bon. C'est là où on comprend que nous rentrons vraiment dans la vraie fraternité. Et c'est dans une perception pareille que le Père dépose, je ne sais pas si je dirais, une portion, je peux dire démesurée. Hein, oui. Parce que ça s'est vérifié dans, rappelle-toi quand Moïse, il a dit que le Créateur va demander à Moïse d'inviter 70 anciens en attente d'assignation. Et il dit bien qu'il retirera de son esprit, qu'il retirera de l'esprit qu'il a mis sur Moïse pour mettre sur les autres. C'est ça. C'est-à-dire, ça révèle combien est-ce que la portion qu'il dépose en chacun de nous, elle est clairement appelée à être aussi discrète. Mais bien sûr. Et tu vois, il ne donne rien pour tout. Pour toi. Et tu vois, ce qui est merveilleux, c'est qu'on dit qu'il n'y avait que 68 qui étaient rentrés dans la tente d'assignation. Et deux autres étaient restés dans le camp. Mais les deux autres ont été bénéficiaires. Au point où Josué va me dire à Moïse, mais nous avons vu deux personnes qui prophétisent. Et Moïse va dire, mais plus tout le peuple de l'Éternel prophétiser. Donc ça révèle simplement que quand nous sommes dépositaires, et ceux qui sont autour de nous, et même ceux qui sont au lointain, ils sont bénéficiaires de cette portion que le Père dépose. Donc c'est ce que, justement, cette image que tu prends qui est très forte, où le Créateur demande à Moïse de prélever, de prendre dans l'esprit qu'il a déposé pour le distribuer. Bon, quand on parle de l'esprit, on parle de bien, de ses vertus, ses caractéristiques, dont il dote. C'est même pour ça que il dote Moïse de sa personne. Sa personne. Parce que Moïse doit être le dispensateur. C'est pour ça qu'il lui dote de ça. Oui, donc c'est ça. Donc ça fait qu'en fait, imagine bien, ce que le Créateur dépose en lui, en Moïse, tu vois, très bien. C'est-à-dire de la même manière qu'il a le souci d'y fondre, d'en bénéficier, son souci doit être de la même manière pour l'ensemble. De la même manière pour l'ensemble. C'est-à-dire, c'est là où vous rentrez dans la réelle dimension à la religion en bas que pourquoi nous n'avons rien du Créateur ? Parce que même quand elle se concède sa personnalité, parce que nous voulons tout pour nous. Tout pour nous. Et comme le Créateur n'a rien pour lui, pour rien de lui qui soit pour qui soit rien à nous donner qui soit pour nous. C'est pour ça. Oui, mais c'est pour ça que tu n'as rien. Je vais leur donner l'exemple qu'ils imaginent.
Imagine qu'il y a des assiettes, on vient de mm-hmm. Tu veux nous servir dans les assiettes, tu vas mettre les aliments dans les assiettes. À peine tu les as amenés au séjour, tu trouves que les assiettes ont mangé tout ce que tu as mis là. Mais tu vas leur dire que plus jamais, je ne mettrai rien en vous. Plus jamais, je ne mettrai rien en vous. Ces assiettes deviendront inutiles. Inutiles, tout à fait. Voilà. Parce qu'elles ne sont pas faites pour consommer ce que tu mets. Ce sont des éléments de partage. Partage. C'est comme ça. Papa, prenons, je prends l'exemple, hein. Ouais. Je ne vais pas très loin. Je prends l'exemple dans le cadre familial. Ouais. Une maman, quand elle sait que voici un enfant qui partage, elle te confie tout. Mais c'est ça, Belle. Même le papa. C'est ça. Même le papa. La plupart, c'est que le père porte le choix sur moi. Pourquoi? Et il a même dit ça. Pourquoi? Parce que quand je fréquentais à Bafoussam, et que il me donne l'argent à Bafoussam, en quittant Bafoussam, j'achète un sac d'habits. Je viens à la maison, je distribue aux enfants. Moi, je suis un père. C'est exactement ce que. Oui, enfin. C'est-à-dire que c'est très bien. Même parmi les frères ici, oui, mais non, papa, je savais bien que celui-là, quand tu lui donnes, tout le monde. Non. Mais celui dont tu sais que, quand tu lui donnes, c'est pour lui. C'est pour lui, tu donnes pas. C'est vrai. Tu vois. C'est vrai. Si tu veux, c'est comme ça. C'est ce que fait que nous sommes privés. Nous sommes privés de la gloire qui est notre Père. Pourquoi est-ce que le Créateur est lui? On dit bien qu'il a revêtu le Messie de toute sa maladie. Ça voit très bien. C'est que le Messie, il est disposé à en mettre à la disposition. Oh là là. C'est ça. Le Créateur est bon. Si nous sommes pauvres, c'est-à-dire séparés de lui, et que le monde autour de nous, c'est parce qu'en réalité, il n'y a pas, nous avons perdu l'identité, la vocation des êtres de partage. C'est-à-dire qu'en fait, on a épuisé l'identité de Satan, parce que c'est Satan qui ramène tout sur lui. Tout. Papa, j'ai fait un rêve, je ne sais pas, si je sais que le père me parlait, clairement. Puisque le matin, quand je me suis réveillé, je me suis mis dans la prière. Et je disais, Michel n'était même pas encore là. J'ai fait un rêve comme j'étais décédé. J'étais décédé. Et je suis allé, j'ai fait un voyage. Je me suis retrouvé dans un village. Et le village là, on est monté comme ça là, pour arriver. Et c'était suspendu. Le village était suspendu. En haut. C'était comme le sol était fait en planche. Mais sur ça, il y avait le tapis qu'on a mis. Et je voyais une maison qui est construite en nylon. On a couvert en nylon, les bords en nylon et le haut en nylon. Ici, on a construit très moyennement aussi. Là-bas, on a construit très l'étage. Là-bas, on a construit. J'arrive maintenant, on me prend. On part me loger dans une maison où c'était très mauvais, construit très mauvais. Il n'y avait même pas la lumière dedans. Je dis que, mais pourquoi on me donne une telle maison? Je suis une voix qui me dit que, mais. Mon frère, tu veux une grande maison que toi-même tu as dépensé combien quand tu étais là où tu étais. Ceux qui ont les belles maisons là, c'est ceux qui ont beaucoup dépensé. Ils ont pris leur argent pour donner aux gens qui avaient besoin. Donc quand ils donnaient là-bas, ils amassaient ça ici. Dans le rêve là, j'ai compris que ça c'est un rêve que le Seigneur m'a montré. Le Seigneur me parle comme ça. Que je dois vraiment essayer de partager. Tant que je suis là en partageant ici, je suis en train de préparer une maison là. Je suis en train de préparer une maison là. C'était clair, j'ai vu ça. C'est même pas un rêve, c'était une vie. Parce que j'étais à peine couché directement, c'est même. Donc, ce sont des clés. C'est que le Créateur est. C'est qu'il est. Personne. C'est qui construit sa personnalité. C'est l'héritage de l'homme. Vous voyez bien. Mais quand on dit l'héritage de l'homme, globalement, hein, c'est l'héritage de l'homme globalement. Ça ne veut pas dire que, quand on dit globalement, ça veut dire que quand tu as vu Franck, tu as vu Isaac, tu as vu Marguerite, tu as vu toute la terre. J'ai dit les hommes normaux. Ça veut dire que s'il remplit Franck de ce qu'il est, c'est pour tous. C'est pas ça. C'est-à-dire que si on n'a pas cette vision un peu, rien à voir. Rien.
rien. Parce qu'il vient pour remplir, pour enrichir. On dit, le Messie, c'est d'accord pour enrichir. C'est-à-dire, ce dont le Père le dépose, il le dispense, il le distribue. C'est ça la clé. Vous voyez bien, c'est cela. De telle manière que, quand vous voyez le Messie va 40 jours, 40 jours, au point que, on dit bien, il est entre ce monde et l'autre. Ce n'est pas pour lui, c'est pour nous tous. Oui, pour dispenser. Il ne cherchait pas à être sauvé. Il est sauvé maintenant, mais il cherche à participer en échange. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est ça la clé. Bon, frère, tu comprends? Parce qu'en fait, il y a des gens qui peuvent des fois te poser la question, mais comment tu fais? Tu vois très bien. Lorsque le Père te... Parce que c'est lui qui vient vraiment, c'est lui qui vient, le cher, hein? C'est lui qui est le retard. C'est lui qui est le retard. Donc ça veut dire que quelle que soit la dimension dans laquelle il peut l'amener de lui, mais c'est pour distribuer. C'est vraiment, ben. Et ce que le Créateur fait, non seulement il distribue ce qu'il est, comme les éléments de l'univers, doit aussi participer à élever les hommes à cela, ces éléments, quand ils viennent les soumettre, oui, parfois, c'est pas pour faire. Parfois, dès que j'y suis, non. Oui. Tu m'appelles. Quand on rentre dans la perception de ces clés-là, donc on leur disant bah, que on arrive des fois à un niveau de avec l'aide d'en haut du Père, où les frontières s'établissent clairement entre ce qu'on est, l'esprit, dans les potentialités que le Père donne et l'enveloppe. Bon, au point qu'on est clairement situé, fixé, je comprends, le Père dit, on peut se détacher de toute la terre. Parce que tu as compris vraiment où se trouve la vie. Tu te détaches de toute la terre. Parce que tu n'attends rien de personne. Tu vas à la conquête. Mais le problème, c'est que si tu agis comme ça, le Père te retire même le peu qu'il t'a donné. Parce que quand bien même tu te détacherais pour aller dans le groupe, c'est pour en être riche, enrichi et pour pouvoir enrichir. C'est ça. Il y a une image sur laquelle il y a une image qui vient souvent prendre. Je pense que j'en avais pas tel ça. Quand tu vois par exemple les robinets, le robinet en réalité n'est pas conçu pour lui-même. Hein. Le robinet est conçu pour abreuver. C'est une multitude, mais seulement il est bénéficiaire puisque c'est pas lui que ça, que ça passe. Et c'est pourquoi ça se confirme aussi quand on voit peut-être quelqu'un comme Salomon qui va demander la sagesse. Le Seigneur lui en donne parce que Salomon ne demande pas la sagesse pour lui-même. Mais tout simplement parce qu'il voulait qu'il y ait une position pour conduire le peuple à la décision du Créateur. Et les écritures disent que. Il le précise d'ailleurs au Créateur, donne-moi l'intelligence, c'est-à-dire rends-moi dépositaire de toi, pour que par moi, ton peuple soit dirigé dans ta connaissance, c'est-à-dire soit enrichi de toi, parce que c'est cela. Et puis, le Créateur le dote de lui, de ses potentialités, au point que sur la terre, il n'y en avait pas d'aussi intelligent. Et il lui soumet même les éléments extérieurs. On dit bien que l'or et l'argent étaient comme des pierres, l'or et l'argent étaient... comme des cailloux. Comme des cailloux. Donc, de telle manière que ce que le peuple faisait, c'était des pierres précieuses. Donc, tout ce qui était ramené, c'était pour l'élévation de l'homme. C'est ça. Parce que les cieux et la terre sont tout créateurs. Hein. Les cieux et la terre, nous disons bien créatures spirituelles et matérielles, doivent participer à enrichir. Mais quand je dis enrichir, c'est-à-dire élever l'esprit dans la gloire. C'est ça. Bon, maintenant, c'est par les hommes que ça doit se faire. Mais le problème, c'est qu'il faut rentrer dans l'identité du Créateur, dans sa vision des choses, c'est-à-dire qu'on soit comme si on n'est pas. On est pour les autres. C'est là où les digues. Oui, mais les digues vont être renversées. Vous savez pourquoi il y a des caractères que nous manifestons. Par exemple, la colère, la passion d'être aimé, voilà, d'être estimé. Voyez, par exemple, des éléments pareils montrent clairement combien ils sont prisonniers de la fausse idée de soi. Tu montres que tu es plus que les autres. Fausse idée de soi. Donc, ça fait que lorsque l'esprit il retourne vraiment, comment c'est défini à partir de terre, on comprend. C'est-à-dire, on est là sur la terre, plus pour soi, mais pour les autres. C'est là qu'on le Père enrichi. C'est donc ce qu'il va faire vraiment. C'est-à-dire, le Messie nous montre, parce que ce que le Messie est, c'est ce que l'homme normal doit être, nous continuons à le dire. C'est ce que l'homme normal doit être.
on dit le Père a fait résider en lui tous les mystères de la sainteté des hommes. Est-ce que c'est pour lui? Mais c'est pour instruire. Pour dispenser. C'est parce que le Saint, ce sont les qualités pour les dispenser à la main. On dit le Père a fait habiter en lui toute la divinité. Mais est-ce que c'est pour lui? Non, c'est pour distribuer. C'est donc ce que Moïse a fait. De manière prophétique. C'est comme ça. Donc, si nous sommes pauvres, c'est-à-dire l'esprit qui est en nous, il est isolé de la richesse qui est dans le Créateur déjà. Un, nous avons une fausse idée de nous, qui s'est définie à partir de l'impie. Et l'idée, nous sommes caractérisés par le caractère de l'impie. Ça veut dire qu'on ramène tout. Parce qu'on voyait très bien, c'est l'impie. Les éléments de la création doivent participer à élever les hommes à la gloire. Satan même doit y participer, s'il est fidèle. Mais ce qu'il fait, il ramène tout sur lui. Les mots, il s'en sert pour se faire adorer. Le temps, il le ramène sur lui. Tout, il ramène tout sur lui. C'est pour ça que lorsque le Créateur dote les hommes de ses caractéristiques, il arrache à Satan ce qui lui a été c'est ce que c'est là. Papa, je prends l'exemple. C'est ça. Quand tu arrives, dans les villages, quelqu'un récolte le maïs. Il vient, il garde tout ça chez lui. Bon, si tout le monde gardait toujours comme il gardait là, est-ce qu'il doit avoir le maïs sur tout marché? Je prends un exemple là-bas. Donc, allons même là-bas, Franck, je dis que, n'est-ce pas, si tu veux avoir le maïs, ça, tu vas semer avant de semer pour que le maïs grandisse. Oui, ça donne la multitude. Bien sûr. Bon. En quelque sorte, c'est que quand tu prends, tu gardes. C'est comme tu mangeais ta semence. Tu gardes ça. C'est comme si tu mangeais. Tu vas garder, manger, ça va finir. Et tu détruis. Tu détruis, détruis. Tu es inutile. En donnant maintenant, ça fait... Bien sûr. Bien sûr. Moi, j'ai par exemple des enfants aussi. Oui. Ça va, c'est très bien. Vous avez, voyez l'année là. On va prendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme je suis à distance, bon, je dis quand il faut leur apporter de l'air, bon... C'est-à-dire qu'il ne faut pas discriminer. Il y a l'aîné. C'est à lui qu'il faut confier. Mais quand j'avais discerné que si tu lui confies qu'on sauve, je lui ai dit dans tous les cas, comme personnellement, ce n'est pas comme ça que je perçois les choses, tu ne diras pas que je suis injuste. Distruit. Comme je sais que la fille, même un bout de pain, tout le monde en a. C'est à elle que tu vas te fâcher, je m'en fous. Oui, mais c'est juste. Donc, et c'est ce que notre Père nous a sauvé. Le Créateur est bon. C'est lui, le Créateur, qui est la richesse des hommes. Mais quand il vient déposer cela, comme dit, ce trésor, c'est pour que ça soit distribué. Et les éléments du monde pour que ça participe à élever. Et nous le disions en bas, vous voyez, même Satan, Satan, il copie la manière de faire, malgré qu'il ramène tout sur lui, c'est comme il fait. C'est-à-dire les individus qui ont des liens très poussés avec Satan. Ils ne se servent pas n'importe comment des éléments du monde, mais c'est pour ramener tout vers Satan. Tout. Donc, de telle manière que quand toi tu agis avec ces éléments autrement, tu ne lui es même pas utile. Utile. Tu es un danger. Oui, c'est ça, même dans son camp, tu peux être inutile. C'est sûr. Tu es un danger. Même dans son camp. Tu es un danger. C'est quand on entend les gens crier, c'est comme si le Créateur est méchant. Mais non, c'est quand en nous s'est construit une autre identité, une autre personnalité. Bon, qui réclame tout pour elle. C'est ça. Donc c'est ça. C'est ça. Et comme il dit là, à peine tu auras crié, je te dirai, me voici. Tu seras comme un jardin. Comment la Bible même nous dit, la parole de Père encore nous dit que ceux qui font trop de libéralité finissent par rencontrer le roi. Papa, c'est vrai. C'est comme ça. C'est pourquoi tu vois nous le roi David, quand le père lui avait soumis ça, les éléments extérieurs, quand il est confié à Salomon, il précise bien, il dit à Salomon qu'il y a des sommes incalculables, d'or,
d'argent, de bois, mais il précise bien seulement que tu t'en serviras pour la construction du temple. C'est ça. Et il comprend clairement que ce que le Père a soumis, c'est pour l'accomplissement du dessein de Dieu. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Oui, c'est tous tes esprits. Mais il n'y a rien qui existe dans cet univers pour que les esprits retournent. C'est ce que j'ai causé même avec vous, c'était quel frère à l'autre, et quand il disait que le travail, mon gars, le travail descendu, il dit mon frère, le travail. Le pasteur, lui, n'a jamais même péché pour le travail. Il n'a jamais même péché qu'on ne travaille pas. Mais si tu travailles, c'est pour les consacrer. Exactement. Voilà le problème. Si tu dois travailler, travaille pour que les esprits retournent. Bien sûr. Et comme la Bible nous dit que tout ce qu'on fait, c'est pour que ce soit pour la gloire du Père. Que ça. Et tu ne sais pas. J'ai même causé ça avec Michel ici. Oui. Je lui ai dit que le travail, c'est pour la gloire du Père. Oui. Si tu peux travailler pour que les esprits sortent, pour aller vers le Père, c'est bon. Le Père, il n'a jamais péché qu'il ne faut pas travailler. C'est ce qu'on parlait ici d'enfant. Parce que d'autres ont pris ça comme... ils ont dit que le pasteur lui prêche pour le travail. J'ai dit que non, jamais. Le pasteur lui a parlé même devant Edgar ici. Il a demandé à Edgar, qu'Edgar va travailler. Va travailler pour aider. Parce que si tu ne fournis pas quelque chose à la maison, même ta femme, si tu ne peux pas lui parler du Seigneur, pour qu'elle comprenne, il faut que tu essayes de prendre ta responsabilité en main. C'est ce que vous avez dit ici, papa. C'est ça. Edgar était là, j'étais là. Je ne peux pas oublier ça. J'ai dit, lui, tu me dis ça. Que vraiment, cette doctrine que vous amenez là, c'est une fausse doctrine que moi, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je n'ai pas encore compris ça de frère lui. Parce qu'aujourd'hui, c'est là où ça appuie. Hein. Oui, c'est des raisons. En fait, il faut voir derrière ça l'impie, c'est simplement de la fragilité. Puis c'est lui qui est dans les gens et qui pousse les gens. Non, c'est ça. À la rébellion. C'est comme ça. C'est ça. Ce sont des interférences dans lesquelles il ne faut pas rentrer. Ce sont des interférences dans lesquelles il ne faut pas rentrer. Papa, mais je sais une chose dans la vie. Hein. Puisque, ben, je ne te coupe pas. Puisque, voici le frère Nick est là. Je ne sais pas si j'ai déjà rendu ce témoignage avec, je ne sais pas où ça mène, comment partager. Et voici le frère Nick qui est là. Le frère Nick ne m'avait jamais demandé de prendre une telle orientation. Hein. Jamais. Donc, voici qui est là. Il dit que, puisque, un jour, dans le moment de partage, je suis allé le voir et je lui disais que ce que j'entends. Si c'est que quand on me comprendre, je réalise que je ne peux pas me demander dans ce sens-là. Mais que je peux. C'est où il m'avait plutôt dit que tu seras. Tu te rappelles la parole. Quand je t'avais dit que je ne vais pas. Tu m'avais dit que oui, tu ne vas pas enseigner, mais tu seras un vrai enseignant. Donc, il ne m'avait jamais. J'ai dit ça, j'étais obligé de dire ça, j'étais interprété. Comme moi, il ne m'avait jamais. Que fais-ci. Il m'a dit, voici, il ne m'a jamais dit que oriente-toi comme ça. La prophétie. C'est ça. Mais c'est un certain déjà. Si tu parles quelque chose, même si ça ne sort pas cette année, ça sera son histoire. Même si ça fait 10 ans, il faut attendre ça, tu vas voir ça s'accomplir. Puisqu'il veille sur la parole, le Père veille sur la parole de ses serviteurs pour amener à l'accomplissement. Il veille sur la parole de ses serviteurs pour amener à l'accomplissement. Donc quand son serviteur déclare un mot, une parole, le Père est derrière. Et c'est dangereux. Papa, il y a un pasteur qui nous avait dit que de vous méfier, il ne faut pas accepter d'être les amis des amis de Dieu. Hein. Faites très attention. Il nous a dit ça, papa. Jusqu'à nous, on a eu peur. Hein, il dit que méfiez-vous d'être les amis des pasteurs. Hein. Parce qu'il y a deux choses qu'on prend des pasteurs. On prend son manteau ou bien on prend la lèpre. Franchement, je crois que j'ai partagé ça une fois avec vous. Parce que notre pasteur Tanguy Sala parlait toujours. Il dit, méfiez-vous avec le pasteur. Il dit que soit son manteau, soit la lèpre. Regardez ce qui s'était passé. Et donc, le jour où il a prêché, tout le monde était fatigué. On était dépassé. On dit que voilà, c'est ça que les deux là. Soit son manteau, soit la lèpre. Quand vous êtes amis avec le serviteur de Dieu, soyez francs. Parce que c'est vrai, papa, c'est vrai. Puisque déjà même, quand vous êtes avec un serviteur de Dieu, vous ne lui dites pas la vérité, vous mentez à qui? Au Père, non? Même déjà, le fait que vous partagez un repas ensemble. Parce que les gens parlent, quand on parle de communion, les gens se disent que peut-être c'est ce qu'on peut prendre chaque fois par mal. Même déjà, le fait qu'on mange, on en veut combien?
Ça, c'est un jugement que tu viens, que tu attires sur toi si tu n'es pas franc avec nous. Mais en réalité, faiblesse. Si on considère que l'identité du Messie, amen, c'est-à-dire c'est celle de notre Père, amen, se théorise, amen, dans une enveloppe matérielle, bon, et que c'est là le fondement sur lequel ou dans lequel, ça non, sur lequel ou dans lequel se rencontrent tous, c'est-à-dire tous on se rencontre, dans la même identité, amen, la même personne. Ça veut dire que quand je rencontre le frère Blaise, c'est mon père en moi, ou alors, ce qu'il veut, en moi, se voit en lui. Donc c'est cette identité-là qui se rencontre. Le but même, lorsque le Créateur vient ramener nos esprits vers lui, et qu'il s'établit, son but c'est de ramener les esprits des autres pour les faire entrer dans la même identité. Enfin, je ne te coupe pas, mais ce qui est terrible, parce que c'est là-dessus que je n'oublie jamais, il y a partage ça avec Tanipo et d'autres comme ça. Quand on s'est rencontrés, si tu te rappelles à l'époque, j'étais à l'école normale. Mais tu ne m'avais jamais dit que je suis dans les ténèbres. Tu as dit, on partageait seulement ce qu'on avait partagé. Il ne m'avait jamais dit que non, tu ne vas pas t'orienter comme ça. Mais on partageait seulement ce qu'on avait partagé. Et au point de départ, même, je ne percevais même clairement pas encore que je ne devais pas m'orienter. C'est avec le temps, au fur et à mesure que le temps passait, que j'ai commencé à réaliser que c'est comme ça. C'est comme ça que tu donnes toute la prière, comme nous disons là, pour que vraiment c'est là, hein, c'est-à-dire que ce mystère-là, il est d'une grandeur, c'est-à-dire que le Créateur, qui établit une portion de sa personnalité dans lui, et qui s'exprime. C'est-à-dire c'est au travers de ces humains qu'il se rend visible, qu'il se déploie. Imaginons, il y a 5, 10, 20 qui se retrouvent dans la même identité. C'est-à-dire que vous rentrez dans une dimension de fraternité que le monde n'a jamais connu. Et que le monde ne peut pas connaître en dehors de cette dimension. C'est là où les gens ne peuvent pas comprendre que le Messie est réellement une entité. Vous voyez, c'est ça. Tu comprends, frère? Bon. Maintenant, si, malgré que les hommes, malgré que les humains peuvent se réclamer de cette identité créatrice, principe de tout, mais en manifestant la personnalité de l'autre. Mmh. C'est ça qui brûle. Ah, ça, c'est catastrophique. C'est ça qui brûle. C'est ça la plus grosse âme. C'est ça qui brûle. Parce que c'est là. Parce que Satan est appelé à disparaître. Quand l'homme rentre dans ses origines identitaires, le frère m'a appelé ce matin. Tu l'as eu ce matin. Il m'a appelé ce matin. Il me disait qu'il n'arrêtera pas de rendre gloire au Père pour sa bonté, son amour. Il prend une image qu'il prend très souvent, celle de l'union. Il dit que l'union a plusieurs couches. Chaque fois que tu enlèves une, à peine tu penses que tu as terminé, tu tombes sur une autre. C'est de cette manière-là qu'on découvre combien le Père l'amène à sortir de ténèbres dans lesquelles il avait été. Il prend conscience combien il avait été absolument de la vérité. Et que le Père le sort des ténèbres pour l'élever dans le monde. Donc c'est là. Après, il dit, mais je suis à moi.